Et vous, comme quoi? Je ne me pose pas la question, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas comme Madame Hidalgo à penser que c'est... Parler de vous, pas de moi. À penser que c'est un héritage, en quelque sorte. Je suis à fond dans ce que je fais, tout simplement. C'est mon tempérament. Et donc, je ne perds pas, une seconde à méditer sur autre chose. De toute façon, en même temps, vous avez gagné, d'une certaine manière. Et toute mon énergie... Vous avez gagné de toute manière, parce que même si non mais c'est pas ce que je dis, c'est que de toute façon vous avez gagné le premier tour dans une espèce de dynamique, et donc pour la suite de votre carrière, de toute façon vous avez gagné quelque chose, un ticket pour autre chose. Non, d'aucune manière, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ce raisonnement. Ça, c'est du raisonnement de journaliste. Pardon, c'est du raisonnement de commentateur. Moi, je veux gagner cette bataille de Paris. Les Parisiennes et les Parisiens ont fait mentir tous les pronostics au premier tour. Je les appelle à exercer à nouveau leur liberté pour le deuxième tour. Madame le maire ou Madame la maire, si vous la mère. Madame la maire. Je suis féministe et je veux la personnelle, je féminise, mais j'en fais pas un problème théologique. Si les gens veulent dire le, chacun.